Bonjour, je suis Sophie Gervais-Laurendeau, la bibliothécaire, et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une série que j'ai beaucoup aimée sur Netflix. Et ça m'est venu l'idée la semaine dernière parce que j'ai adoré une série de science-fiction. Vous irez voir ma dernière, il y a 2 jours, j'ai publié une émission sur une série que j'ai écoutée sur Netflix. Et j'ai décidé de recommencer ça, de vous présenter une nouvelle, pas une nouvelle série, mais une autre émission qui présente une série tirée d'un livre. J'aime beaucoup ce concept. Alors, un livre, une série. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Un nouveau segment. Et je parle de la série Sherlock Holmes. Alors, oui, Sherlock Holmes, c'est un classique, mais on est encore pour plusieurs à travailler de la maison. Et malheureusement, il y a une deuxième vague de COVID qui a l'air de s'annoncer. Et quoi faire quand on est encore en confinement? Eh bien, des séries sur Netflix, c'est vraiment une bonne chose à faire. Sherlock Holmes, c'est vraiment, moi, c'est une de mes séries policières que j'ai préféré lire. Et même si ça date d'il y a plus de 100 ans, c'est encore très bon. Moi, je vous la recommande. Je vous recommande de lire d'abord les livres et ensuite de voir la série. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et il y a plusieurs films et séries qui ont été faits à partir de Sherlock Holmes. Comme vous pouvez voir, même sur Netflix, on en a accès à plusieurs. Et moi, ma préférée, c'est la série avec Benedict We brought you back to deal with Cumberbatch, this. What are you going to do? Wait. la série moderne de Sherlock Holmes. Alors, ce que c'est en fait, c'est qu'ils ont repris Sherlock Holmes, mais au 21e siècle. Alors, je trouve ça vraiment génial comme concept. Et chez Renaud-Pré, vous pouvez les trouver, les Sherlock Holmes. On peut les trouver aussi sur Indigo, à la Bibliothèque nationale. Et à la Bibliothèque nationale, ce qui est bien, c'est que vous pouvez les avoir en ligne. Et il y a plus de 143 titres en ligne pour Sherlock Holmes. Alors, ça vaut vraiment la peine d'aller à la bibliothèque. Et j'ai pensé aussi faire une petite recherche sur Conan Doyle, si vous voulez une biographie. J'en ai pas trouvé chez Renaud-Bray, mais j'en ai trouvé chez Chapters, des biographies sur Conan Doyle. Et à la Bibliothèque nationale, il y en a aussi des biographies disponibles sur l'auteur de Sherlock Holmes. Alors voilà, c'est un nouveau segment que je présente. Quoi écouter, qui provient, quel film, quelle série écouter, qui proviennent de livres. C'est un concept que j'aime beaucoup. Et je vais vous en présenter d'autres à l'avenir. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre émission. Bonne journée et bonne lecture. Bon film.